Hey, bienvenue sur la chaîne de Yes Alice, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un try and haul de chez Pull&Bear. Mon chat, reviens là. Je vous présente mon chat. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats. T'es pas obligé de voir la tête hein. Tu dis bonjour. Voilà, je vous présente mon chat, il s'appelle Nesquik et il a envie de descendre de mes bras, hein. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats. Je disais que j'ai commandé des vêtements de chez Pull&Bear sur le site Showroom Privé. Il y a deux hauts, deux robes et un pantalon. Vous n'êtes pas sans savoir que j'aime beaucoup Pull&Bear. J'avais déjà d'ailleurs fait une vidéo haul sur ma chaîne précédemment que vous pourrez retrouver dans le petit juste ici. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et c'est parti. Ok, donc premièrement on va essayer une des deux robes. On va essayer cette petite robe. Donc c'est une robe noire en col un peu carré rectangle, là, vous savez, qui est toute noire, toute basique, toute simple. Donc c'est parti, on va aller l'essayer tout de suite. Donc voilà à quoi elle ressemble sur moi. Donc au niveau de la taille, elle arrive pile poil au bon endroit. Elle n'est pas trop courte, pas trop longue. Franchement j'aime bien le col, je trouve que c'est sympa. Les manches elles sont légèrement bouffantes. Oupsie. Les manches sont très légèrement bouffantes à ce niveau là. Mais ça se voit pas énormément, c'est sympa, franchement elle est mignonne. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien, elle est très basique, très simple. Mais écoutez, pour une petite soirée en été, ça peut être très très mignon. Franchement j'aime beaucoup cette petite robe. Prochain article, il s'agit d'un body qui ne s'ouvre pas en bas, c'est très peu pratique. Un body couleur un peu jaune moutarde, mais c'est pas vraiment, moi aussi c'est un peu moutarde. Avec deux petits nœuds comme ceci, et voilà, il se présente comme ça. Il m'a l'air très très mignon. Et puis c'est parti, on va l'essayer. Je pense qu'on va essayer ça avec un short. Donc voilà à quoi il ressemble une fois porté. J'ai dû enlever mon soutien-gorge sinon on le voyait beaucoup trop. Donc voilà à quoi il ressemble. Franchement il est très mignon, il y a deux petits nœuds qui se resserrent ici. Donc vraiment très chou, je l'ai mis avec un short pour visualiser, mais le short il est à moi. Mais voilà à quoi ça ressemble, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien, écoutez, pour en été, hein, pas besoin d'être non plus habillé comme en hiver, quand il fait très chaud ça peut être sympa. Non franchement moi j'aime bien. Voilà, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Article suivant, il s'agit d'un petit haut pareil en col un peu carré comme ceci avec un motif comme ça, je sais pas trop comment appeler ça. Il est un peu froissé à ce niveau là. Élastique et tout, avec des manches bouffantes. Écoutez, il est croc top et il a des manches longues. Bah écoutez, on va essayer ça tout de suite. Et je vais essayer ça avec le pantalon que j'avais acheté, qui est un pantalon pas de def, jean clair, pas de def comme ceci. Donc écoutez, on va essayer tout ça et c'est parti. Alors déjà, premièrement, j'adore le pantalon, je suis mais amoureuse. Au niveau de la taille, il me va super bien. Il épouse parfaitement mes formes. Du coup, il est pas def comme ça. Je sais pas si vous voyez très très bien. Attends, ne bougez pas. Du coup, voilà, il est un peu pas def comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Mais il est trop 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 beau. Et j'aime vraiment vraiment beaucoup beaucoup ce petit pantalon. Il est vraiment trop classe. J'aime trop trop trop. Je suis mais vraiment fan de ce pantalon. Et concernant le haut, il me va super bien aussi. Il est bien élastique, il colle bien à ce niveau-là, enfin genre il dérape pas. Les manches sont nickel, j'aime beaucoup ce petit haut. Et franchement j'avais pas de haut col comme ça et je pense que je vais en acheter plus souvent. Parce que j'aime beaucoup ça, je trouve ça vraiment mignon. Et le motif est vraiment sympa, donc on adore. J'aime trop 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 cette tenue. Dernier article, il s'agit d'une robe motif léopard qui se présente comme ceci avec un col un peu montant, donc ça plutôt pour l'hiver je pense ou pour des petites soirées fraîches d'été, ça peut aller aussi très bien. Je vais aller essayer ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble la petite robe. Donc on a des boutons au niveau des manches comme ceci et puis bah, sinon elle est plutôt bien au niveau de la longueur.
Au niveau de la longueur, c'est plutôt parfait. Rien à dire à ce niveau-là. Je pense qu'avec des petites bottines pour une petite soirée, ça peut être très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup cette petite robe, elle est sympa. Elle est très basique dans la coupe, mais elle est très sympa. J'aime beaucoup le motif léopard. Je n'avais pas de motif léopard dans ma garde-robe. J'avais envie de tester, sortir un peu de ma zone de confort. Et bien voilà, c'est fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je suis conquise. Très, très, très sympathique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai remis mon petit haut parce que je l'aime beaucoup et pour parce que j'avais envie de le remettre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour donner de la force juste en dessous de la vidéo. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez préféré, ce que vous avez aimé. Et puis en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.